dû mettre de l'épisode précédent. Chubby a découvert une étrange pyramide sur Rockstar. Après avoir détruit son système de sécurité, Pix, il demande à cette dernière pyramide de l'envoyer jusqu'à Nightmare. La pyramide, en fait un vaisseau spatial, l'envoie jusqu'à là où se trouve, certes seulement la forme céleste de Nightmare, mais quand même Nightmare. Dark Star. Chubby réussira-t-il à vaincre cette forme céleste? Toi, qui es-tu? Je suis la forme céleste de Nightmare. Crois-tu pouvoir me vaincre, petit? Si j'ai vaincu cette forme terrestre, je te vaincrai, bien sûr. Aïe, 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 ça fait mal. Mais que crois-tu pouvoir faire contre moi? Tu devrais mieux renoncer et rentrer à Popstar, quoi qu'il y ait un peu tard. Je peux te massacrer, tout simplement. Il reste plus de choix. Pauvre petit, je te plains quand même un peu. Désolé pour toi. Nightmare, mais je crois que c'est toi qui devrais retourner dans les jupes de ta maman. Ah, mais comment ça? Mais j'ai pas de maman, et deuxièmement, ma maman n'a pas de jupe. Bon, bah tant pis, c'était que au sens figuré, hein. Ouais, bah quoi qu'il en soit, tu ne tiendras pas face à moi. Ha ha! Aïe, 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 ça fait mal quand même, mais oh, vas-y, plus mollo, hein. Il y en a déjà, j'en ai marre d'être le méchant caché depuis le début de l'histoire, ça fait depuis longtemps que j'essaie que je voulais me manifester. Ha, ha, ha. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais non, pas mon auréole, pas mon pansement, aïe, ça fait mal, aïe, aïe, aïe. Nah, allez, mes petits nuages toxiques. Empoisonnez-le. Aïe, 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 aïe. Ah ah, tu vas pas y couper, Nightmare. Aïe, 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 aïe. Ah ah, me voilà. Me revoilà. Plus fort que jamais. Ah ah ah. Ouais, est-ce qu'on va voir? À mon avis, t'es quand même un peu affaibli par mon coup. Aïe, non, 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 pas encore, pas mon auréole, pitié, pas mon pansement. Aïe, 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 aïe. C'est pas... Maman, au secours! Tiens, je crois que tu avais dit que tu n'avais pas de mère. C'était au sens figuré du terme. Nightmare, je crois qu'on n'est pas là pour faire de la grammaire ni de l'orthographe. Effectivement, je suis là pour te massacrer et je ne faillirai pas à ma mission. Ah tiens, bizarre, moi je suis là pour la même chose. Pour te massacrer? Non, pour te massacrer, toi. Quoi qu'il en soit, tu ne tiendras pas. Pas du tout. Aïe! Non, 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 pas encore une fois, ça fait trop mal. Aïe, 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 aïe. Non, en plus il me tient sur les ailes, celui-là. J'ai l'air minable. Minable. Oh, mais je crois que j'aurais pas l'air minable très longtemps parce que je suis mort. Alors, Kirby atterrit dans les... Après avoir battu la forme céleste, Kirby atterrit dans les profondeurs de l'étoile. Oupi, est-ce qu'il fait chaud, c'est un vrai volcan ici. Oula, en plus il y a des chutes de cailloux, au secours. Oh, même pas de don, quel dommage, je pensais que ça allait me donner le don Pierre. C'est vraiment trop chaud là. Aïe 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 aïe. Oh un bobo. Ouf ouf ouf. Fais chaud ici. Je me demande bien où je vais arriver. Ouya. J'ai failli tomber dans la lave. J'ai chaud. Très chaud. Boum. Kirby volcan. À me toucher. Je me demande bien où ça va me mener.
Et c'est ainsi que Kirby continue à voler au-dessus de ce volcan qui n'avait pas l'air des plus accueillants. Enfin, ce volcan qui était le cœur de l'étoile. Oulala. Ouais, Kirby Caillou. Ok, je vais voir ce qu'il y a au centre de l'étoile. La 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 la. Il arriva alors dans un tout autre environnement. C'était du sable. Du sable à perte de vue. Ouh là là, est-ce que je vais ressortir, moi? Enfin, oui, il faut que je ressorte, bien sûr. Ouf, 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 ouf. Mangeons, mangeons les gros crânes. Oh, un bobo. Là, je glisserai pas. Allez hop, brûlons tous les ennemis. Aïe, c'est chaud. Tiens, voilà. Youpi, double feu. De quoi? Oh non, le sol tremble. Oula, on dirait quelque chose qui change. On dirait que j'ai pas changé d'endroit. Bon, hop, j'y vais. La 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 la. Et en fait, qu'est-ce qui a empêché ça de ressortir par là avant? Je sais pas. Et hop, j'en sors. La 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 la. Kirby se trouva là dans un autre lieu. Où c'est? Vite, il faut que je monte. Ah, il y a beaucoup d'escaliers par ici. Ouais, elle est là. Là, peut-être, oui, là. Ouah! Non, c'est ce qu'elle mène dans le vide. Les plateformes en l'air. Je suis sûr pour ce départ-là. Encore un escalier. Voilà. Ah, l'escalier final. Hein? Qui c'est? Ouah! Sale petit. Oh oh. Tu ne pourras pas me vaincre. Oh oh. Je suis le plus puissant de tous. Oh non, 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 manquez plus que ça, un autre ennemi. Tant pis, je vais l'avaler. Ah, et pourquoi tu me prends? Aïe! Qui es-tu d'abord? Je suis le garde-corps du corps personnel de Nightmare. Ah, donc je me suis pas trompée, je suis bien dans sa demeure. Ah non, mince, j'ai encore raconté n'importe quoi. Mais en tout cas, toi, tu ne mourras pas. Arg. Bye bye. Dans l'épisode suivant, Kirby a vaincu le garde du corps personnel de Nightmare et a continué son exploration dans la demeure de ce dernier. Va-t-il trouver ce Nightmare et comment va se terminer cette folle histoire? Réponse, dans l'épisode suivant.